Yes, Candidat. VAE. Nous on prépare pour vendre. Hier soir, hier nuit là, on nous a appelé que ah, aujourd'hui ils vont venir nettoyer le coin. On a déjà préparé. On ne sait pas comment faut faire. Donc matin on est venu pour venir installer pour vendre un peu. On a vu une machine avec des corps habillés. On a qu'à ramasser, on va quitter là et vont nettoyer le coin. Bien vrai, on veut que le coin n'a pas travaillé. Mais il a dit le 5. Nous on passait le lundi qu'on ne doit pas venir vendre. On doit rester à la maison lundi. À nos grandes surprises, c'est hier, on nous a dit que c'est aujourd'hui qu'ils vont venir. Donc ils sont venus, on a ramassé les troncs, on ne sait pas comment on va faire. S'il y avait un autre toit pour nous installer, ça va nous arranger. Sinon, vraiment, ce n'est pas bon comme ça. On est une mère de famille, il y a père de famille au milieu de nous. Tout le monde se débrouille pour avoir mangé. Où on est là aujourd'hui, là, on ne sait même pas où aller. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on demande pardon le maire. Monsieur Bitogo, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Que de nous un peu quand même. Ah, on va juste on va au caniveau d'avant quoi. Ils vont casser nos trucs. C'est comment? On est comment dit dans un pays on va où? C'est on sait plus on met notre enfant à l'école. Dans un pays on va où? Il n'y a même pas l'argent, il n'y a rien. On ne peut pas manger. Tout le monde va se débris pour manger là. Ils vont venir nous tous de connerie encore. Ça c'est quoi ça là? L'appel que j'ai à lancer aux commerçants de rester zen, ne pas penser que c'est parce que nous voulons leur arracher leur pain quotidien. Ils ont fait confiance à un homme qui a une vision pour la commune de Yopougon. Mais une chose que les gens doivent retenir, il y a un dicton qui dit qu'on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. C'est un peu douloureux, soigner une plaie ça nécessite beaucoup de courage. Parce qu'il faut laver la plaie en profondeur. Et aujourd'hui, ils sont peut-être des victimes de cette politique-là. Mais il faut bien que la commune de Yopougon, qui est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, puisse donner un visage reluisant à la commune. C'est là qu'ils ont fait confiance au maire Bitogo, afin que Yopougon prenne son envol pour le développement. Thank you.